jodi yo c'est mercredi 11 mai 2022 n'ap entre direct nan grand point nou gen k'ap dominer actualité a nan pays d'Haïti mesdames mademoiselles et messieurs et bien la police nan pays d'Haïti et bien arrêté deux policiers yo t'a trouvé nan mauvais acte et bien policiers ça répond au nom de nom Désir James et Jean-Louis Fabet. Et bien, Denek Sayo te arrêté pour question trafic drogue avec dossier louche. Et bien, par la police, mardi qui était 10 mai 2021. Mesdames et messieurs, et bien, Denek Sayo là, nèg yo mari koukrab. L'autre détail nous gagne en deux vidéos ça que nous pral porter pour là. Et bien, gagne demoiselle ça n'a regardé là, qui c'est une demoiselle qui te fait une vidéo sur TikTok côté elle te présenté technique comme madame chef gang ISO village de Dieu. Mesdames et messieurs, et bien, demoiselle ça aujourd'hui à la fait une autre vidéo encore pour demander pardon avec mon internet yo, mon Facebook, mon YouTube qui et bien t'a fait passer vraiment pour madame ISO. Et selon ça expliqué, c'est une blague que t'a fait pas même reconnaître moun ki Izo a d'ailleurs li pa fait Haïti mais le remet Haïti on dirait que manje fait Saint-Domingue et bien li remet Haïti et si on a raison qui fait li te parler créole donc parce qu'il remet li remet Haïti mais j'en parle comme si li pa ta Haïti mais tout moun ouais manje parler créole parce rat il fait connait que il parle haïtien créole parce qu'elle remet haïtien mais pas madame Izo vrai son blague li t'a fait mesdames et messieurs en tout cas gien causé dans pays ça que nous pour inviter au tendez et puis l'autre dossier encore nous gien nous connaît la police continuer à prendre démantibiler 400 marozo dans moment n'a parlé là et bien nèg gien problème France LB sorti dans silence et bay bilan pour montrer population que l'a travaille d'arrache pied pour mettre en bas code tout bandit cap théoriser population cap bay problème. Nous parlons invité au gain détail mesdames et messieurs et puis l'autre information encore nous gain cap dominer actualité à la bagaille dégénéré et donc dans quoi d'émission chez méchant et voye signal by la police bagaille semble pas recommencer et nous connaît France LB décidé là pour le mettre et donc la patte non conseil tout bandit cap théoriser mesdames et messieurs. J'ai annoncé le titre journal langue et président association propriétaire qui a chauffé d'Haïti au changé MEU qui confirmait bandit sous Matissan saisi et plusieurs bis sorti lundi privé hier Madian côté qui t'a fait non côté ben en pile bus yo bandi yo libéré moun yo mais yo kembé marchandise yo surtout pour hier Madian mais face à situation ça syndicaliste continue demander autorité au prend toute disposition pour la paix capable retourner dans troisième circonscription de Port-au-Prince là une manière pour la vie capable reprendre comme ça doit changer mais demander tout chauffeur quel que soit chauffeur public ou privé pour éviter automatisation si problème qui gain bas pour qu'on capable résoudre en coup d'échange MEU pour plus de détails. Est-ce que bus a été gagné mon lado mais marchandise était gagné là-dedans mais était vide. Il y a des gens plus marchandises que monde mais des gens mon lado. Non, il y a là que tout pour nous avec tout chauffeur que des bus ça parce que déchargé marchandises mais information gagne dimanche il y a des baki marchandises. Mais autobus ça aussi côté dans ancien local Brizadelma c'est là est entré bon là mais elle est rentrée avec Rappelez aux dites là non qui bus qui dans même monsieur fidélité avec Dieu soit loué fidélité à chauffeur arrivé là Dieu soit loué je l'ai trouvé arrivé au Benson et moment c'est pas moment dialogue c'est moment action parce que moi Dieu là va faire un an depuis monsieur au prend trois les quatre départements locaux j'ai pas capable fonctionner. Pour nous-mêmes, quand on a belle parole, monsieur, on dit là, quel est le gouvernement, quel est le directeur de la police quand on fait action. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de sécurité pour nous passer, pour nous présenter Matissan, parce que tout le transporteur nous finit pour vivre, parce que moi, il peut fonctionner, mais nous, de l'État, nous avons tout le taxe pour nous payer, ça, nous voulons l'arrêter, c'est pas nos sécurités pour nous. Le message à l'autre, c'est écouter nous-mêmes, nous demander pour tout chauffeur, quel est le privé, quel est le public, éviter votre Matissan, tout en l'État Paris. Pas pour message, il y a pour nous sécuriser Matissan, nous demander tout chauffeur, éviter votre Matissan, privé ou public.
Et voilà la déclaration anti-syndicaliste changé MIU concernant situation ça qui recommençait encore sur Matissan avec monsieur Kabay problème sérieusement. L'autre information qui est pour avec Germine Jolie, changer non ça, pas oublier non ça, alias Yon, qui c'est numéro 1, groupe gang 400 Maozo, n'a pas rappelé, n'a pas quitté 3 meilleurs côté, mais autorité haïtienne, n'a été extradé, monsieur, vers pays États-Unis, ça veut dire vous, monsieur, bah, et tout ensemble, et nous, qu'on a pile chef accusation, reproché Yon, mais parmi eux, ces questions, Zach, enlèvement et séquestration qui étaient faites sur 17 missionnaires qui étaient en Haïti, on dit, c'est 16 Américains pour Canadiens et ça c'est un gros dossier un chef accusation yo mais chef gang haïtien qui t'a enlevé 17 missionnaires 16 Américains et un Canadien maintenant on dit dans commune Croix des Bouquets selon on dit donner ça mais inculpé à parler de Yon ben mardi là monsieur t'a fait premier paraître devant un jury fédéral dans district Columbia Germine Jolie qui a 29 l'année dit Yon que tout le monde connaît sous nom Yon yo accusé monsieur contre question complot et monsieur qui commet un ensemble de actes kidnapping et pour question wall monsieur était joué non question za kidnapping qui était faite sous 17 missionnaires nous songer et n'a rappelé 16 citoyens américains et un canadien dans commune Croix des Bouquets et parmi 17 missionnaires ça on a rappelé tout est gagné 5 timoun là-dedans yo et bien missionnaire chrétien ça yo qui était venu en service en mission en Haïti en pile nan yo monsieur tekembe yo presque pendant 61 jours et selon ça qui dit bon côté autorité américaine yo mais chef gang puissant chef gang 400 Maozo on a parlé de Yon et qui te gain numéro 2 chef gang là qui c'est Lamont Sanjou côté Lamont Sanjou selon ça audit exigé $1 million américain pour chaque grain de missionnaire pour être capable libérer yo mais un dit organisation que missionnaire travail pour là qui c'est Christian Herds missionaries qui basé dans Ottawa côté que mais rançon ça jusqu'à présent pas de gagner détails sur lui par rapport avec ça mais joli qui c'est Jolie alias Yon, yo transféré monsieur semaine passée là dans pays États-Unis selon autorité yo que monsieur a gagné pour le paraître encore devant on dit la justice américaine et yo croit que avec un pile dossier qui pesait sous de Yon question trafic d'armes à feu et l'autre question encore importation exportation question un connivence que le gars avec des moun aux États-Unis pour faire zam entrer vienne joindre ni là et vienne joindre équipe là en Haïti c'est et parmi ça reproché Yon comme chef accusation à côté mais Zach séquestration et enlèvement qu'il était fait sous missionnaire yo c'est ça information c'est que Yon lui-même yo li paraît devant jury fédéral mardi là encore yo mettait accent sous ca kidnapping qui était fait sous 17 missionnaires yo 16 américains citoyens américains et yon citoyen canadien et n'a songé et n'a rappelé tout Yon t'a posé des conditions pour te dire que si yo libéré li si fait sorti dans prison dans clause que il demandé avec autorité policière en Haïti yo l'a fait libérer missionnaire yo parmi toute information que nous mêmes nous gagne grande information toujours qui est pour avec question ça question Yon et puis l'autre monde qui extradé dans la caille oui gagne l'autre information toujours sur même dossier ça gagne directeur fédéral bureau investigation Christopher Way qui ajouté à accusation journée jeudi a montré États-Unis pas tolérer crime contre citoyen lio ici ou bien à l'étranger. Le directeur fédéral a déclaré tout. Agence là continue de travailler de façon agressive avec partenaires internationaux pour assurer sécurité citoyen yo. Et puis traduit tout le monde qui pose mauvais actes devant la justice. Gang 400 Maozo qui gagne la tête li joli ou bien Yon et yo reconnaît li comme un qui participé dans plusieurs enlèvements qui prend moun qui nabus et puis qui prend qui extorquer entreprise locale entreprise on fait référence à cette entreprise dans zone côté contrôlé yo une semaine passée il y a un diplomate dominicain également un citoyen américain était kidnappé tout et il était fait pendant 4 jours il était nèg exam te kembe yo il était finalement libéré quelques heures après et joli ou bien Yon était arrivé dans pays États-Unis. Mais enlèvement ça a très médiatisé et yo a poursuivi sans relâche enlèvement yon médecin jeudi en conduit
avec qui pour ces fondations Saint-Luc annoncé yo fermé porte tous les établissements médicaux l'hôpital pédiatrique Saint-Damien avec l'hôpital Saint-Luc et pour patients maternité ou pédiatrique et puis COVID-19 pour exiger libération médecin et employé dans institution si là. Jean Dédil là déjà n'a tourné sur information ça à titre rappel dimanche qui était passé la gain 8 citoyens turcs ça veut dire 8 ressortissants qui sorti dans pays la Turquie qui s'est tué mais qui fait partie une délégation qui était dans bus qui t'a rentré qui sorti Saint-Domingue qui t'a rentré à Turquie ça veut dire 8 ressortissants qui sorti dans pays la Turquie qui s'est tué mais qui fait partie une délégation qui était dans bus qui t'a rentré qui sorti Saint-Domingue qui t'a rentré à Haïti là mais monsieur en pleine là Yolan Judet sous groupe 400 Maozo qui et qui dans PMB groupe Monsao qui était dans bus ça mais jusqu'à présent que beaucoup capable jouer une libération yo beaucoup ka connait exactement comment situation moun sa yoyé yo parlé de groupe 400 Maozo qui tab école en pleine nan là et jodi an là qui en pile zak kidnapping yo reproché équipe ça qui est en pile zak kidnapping yo rappelé zak kidnapping qui était fait sur religieuse et puis laïque catholique on songé yo fait gros zak kidnapping sur missionnaire et kounya ces questions mais citoyen tuksayo qui parmi moun groupe dit kidnapping collectif encore le jodi sur monsieur 400 Maozo yo situation qui gagne en pleine là entre deux groupes cap goumen selon Nations Unies qui la cause moins par 75 moun perdu la vie et gagné 75 lot 65 lot qui blessé 75 pou petit mouri et 65 lot blessé selon ça qui dit bon côté Nations Unies et fusillade kaimon kaboulé bataille qui gagne l'autre bossa là la cause selon Nations Unies gagne environ 9000 moun qui abandonné la caillou et qui presque pas même rété dans environ parce que yo pas capable rété encore selon Nations Unies les parler deux yo forcé avec un ensemble de team ou un ensemble de l'école fermé porte yo et selon Nations Unies yo parler de dans région métropolitaine Port-au-Prince là gain au total 1700 l'école qui obligé fermé porte yo selon UNICEF par rapport avec question gang cap goumen yo parler de Matissan Croix des Bouquets et andi et dans Cité Soleil dans Belle il prend tout côté ça yo même dans peigne tout à cause qu'il soit gang cap goumen.